Salut à tous, on se retrouve sur une petite newsletter Briscard, une newsletter où on va se permettre, avec le compère Ludo, de revenir un petit peu sur décembre qu'on avait raté, je crois, ou janvier. Exactement, salut à tous, et oui, ça va être la session de rattrapage, un peu 3 mois après. Et on va se rattraper avec une magnifique bichette de qualité qui tire des javelots Mataris. Qui est donc un des nouveaux génériques de la faction Selk. Un générique à 50 pièces d'or, c'est un chiffre qu'on aime beaucoup en création de liste, et qu'on aime beaucoup, les génériques de 50 pièces d'or avec Ludo dans le jeu, vous le savez. on a une passion pour ce genre de profil. Alors, limitation à 3 sur Mataris. 3, 5, 3 et un mental avec une étoile et 5 de mouvement. 8 points d'action, 22 points de vie. Ok, c'est des stats déjà génériques sympas. Ensuite, en arme, on a une arme de tir. je vais réessayer. Atlat, c'est dur à dire. 3 projectiles, 8 moins distance dégâts, 1/20. Arme de lancer, plus force de dégâts en cas de réussite critique, pas dégâts x2. Ok. Une botte de tir, 5 PA, liée à l'arme. Les dégâts ne sont pas minorés par la distance, et le lancer se fait à 2D. C'est-à-dire qu'à portée 8, on part sur du 8 dégâts, tout simplement. Exactement. Avec 2D pour toucher. Ok. Ensuite, on a une botte de tir, la deuxième. Bêlement, portée... Alors, 2 PA, portée 2. L'adversaire aura un malus de 2 à ses défenses jusqu'à sa prochaine activation. Ok. Et maintenant, en règle spéciale, on a bon. Donc, on ignore les hauteurs en dessous de 3 brasses. Donc, elle sautille de partout, la bichette. Et enfin, on a, comme là, en règle spéciale avec le mental. Dans mes souvenirs, Ludo, tu me reprends si je dis bêtises, mais c'est en fonction du nombre de mêmes figurines sur la table. Exactement. C'est au nombre de minions, au nombre de petites figurines qui a cette règle-là, en fait, qui va ajouter plus 1 en mental. Et on part avec genre un minimum, je crois. Oui, c'est ça, ça doit être 3 si je me souviens bien. D'accord. Bah, déjà, première remarque, on a un profil très rapide, avec une dextérité qui est très très bien, pas mal de PA, et un pool de points de vie qui est honorable, sans être extraordinaire ni mauvais. Il est honorable pour 50 balles. On a nettement un défaut sur le profil qui n'est de n'avoir aucune attaque de corps à corps ou arme de corps à corps. Va falloir donner des coups de pied, des coups de poing, des coups de boule, et qui vont pas faire des dégâts terribles. Tout à fait. Mais après, c'est la première tireuse qu'on a chez les Selk, donc elle a vraiment été spécialisée là-dedans. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en plus, ça va apporter des bonus pour les copains grâce au bêlement. Pour faire des défenses. Alors, il y a pas mal de combos qu'on peut déjà citer sur le perso. On voit que Bellement va comboter très fort avec Gelure, va comboter très fort avec Sonnet, des boucliers, des guerriers pictes. Si on veut vraiment pourrir la défense d'une figurine, on a les armes dans la faction pour la rendre la défense d'une figurine adverse quasi nulle, inexistante, quoi. Exactement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En termes de scénario, le fait qu'elle est bon, 5 de mouvement et des stats qui sont pas trop mal, au moins en tout cas en dextérité, fait que ça peut être une pièce qui peut être menaçante là-dessus. Au tir, elle peut faire excessivement mal, parce qu'on se retrouve avec quand même... l'attaque à 5 PA fait 8 dégâts, quoi. Oui, exactement, oui. Ensuite, ne pas oublier, comme elle coûte que 50 pièces d'or, du coup, on va pouvoir aller chercher dans le livre de règles d'autres javelots, en fait. Et ces javelots sont pas si chers que ça, puis on va pouvoir avoir du perce-armure, du feu, du empoisonné. Donc on va pouvoir spécialiser, quoi. Exactement, donc du coup tu peux le mettre en réserve et en fonction de l'adversaire que tu vas avoir, donc du coup tu vas t'adapter grâce à cette figurine, ce qui est vraiment sympa. Du coup tu peux partir sur du feu si tu veux vraiment faire forcer les tests de mental, tu as cité quoi d'autre, poison, si tu veux un peu abîmer de l'élite. Ou du perse armure, hein, si tu vas tomber contre des crabes ou un orénoque, enfin un quintor, c'est super sympa. J'avoue qu'un 8 dégâts perse armure, ça c'est quelque chose. La botte, le fait de garder les 2D pour l'arme de distance, c'est vraiment sympa. Ouais. Ouais. Après, donc du coup, elle peut tirer à quoi ? À 7 dégâts facilement en se mettant à une brasse de quinquin et lui en tirant dessus, quoi. Oui, c'est ça, oui. Hors la botte, d'accord.
elle est nettement pensée pour être utilisée avec Sabot, j'ai l'impression. Après, attention, comme on disait, vraiment une figurine, je pense, qui se fait embêter facilement. Je sais pas si la triplette est vraiment efficace. Alors, à moins de jouer vraiment autour du générique et de rentrer trois guerriers Pit, la bichette à MZ2, là, dont j'oublie à chaque fois le nom, tu te souviens? La bichette à MZ2, ah, le guerrier Pict. Le guerrier Pict. Le guerrier Scott. Trois guerriers Pict et trois Matari, ça serait quelque chose à essayer. Je pense que t'as beaucoup de choses sur la table, ça bouge en tous les sens. De bons dégâts, de bons contrôles. Ça peut être rigolo. Comme des petites chèvres qui bondent dans tous les sens, etc. Qui vont à gauche, à droite, ça peut être sympa. J'avoue que ça peut être assez marrant. En soutien du Colosse aussi, ça peut être quelque chose, dans une armée un peu plus élite, d'avoir des dégâts à distance comme ça qui mettent la pression. Et après, les dégâts collatéraux du Colosse, quand il pousse sur son attaque de base, qui peut rajouter encore plus de dégâts indirects, quoi, et de tuer plein de figurines. Ça peut être intéressant aussi, ouais. Ok. Je pense pas que ce soit une ref... comment dire ? Je pense que c'est une rêve plus balance que le guerrier Pit. Oui, tout à fait. Il est bailli dans la méta, hein. C'est très très bien. Ni trop, ni pas assez. Ouais, avec de grosses failles, de bonne qualité, mais de grosses failles. Là où le guerrier Pit, t'as un petit peu tout le temps raison. Là, c'est pas tout à fait la même. Donc, ouais, je pense qu'elle est plutôt réussie, cette référence. Je l'aime bien. Tout à fait. Est-ce que tu en as commandé, toi, Ludo ? Oui, c'est possible. Je dirais 3. T'as pris les 3? Ouais. T'as super. On va tester dans une vidéo, certainement, on verra. Aïe, aïe, aïe. Remettre un peu de briscard sur la chaîne, ça pourrait faire plaisir quand même, quelques rapports de bataille. Tout à fait. Clairement à tester, clairement à tester. Vous nous direz un peu vos impressions, c'est sorti il y a déjà quelques temps, donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà testé. Ouais. Et nous dire un peu comment vous avez trouvé un peu la référence. Ok, bah voilà pour Mataris. On peut peut-être passer... au perso qu'on a raté en début d'année là. Donc c'est le Mad Dog V2, ouais, c'est la V2 du perso. Donc il vaut 140 balles, il est 5-3, 5-4, 5 de mouvement, il perd 28 points de vie, donc des stats de gros daron bien sales, hein. À part la dextérité de 3, on a quand même des stats assez élevées, hein. C'est assez joli. Au corps à corps, on a Squarer, 3 PA qui fait 1 des 10 plus 2 dégâts, arme tranchante, qui récupère 3 PA en cas de réussite critique, pas de dégâts supplémentaires. Ok. Bon, les armes à 3 PA, il y a toute cette discussion-là entre est-ce que ça vaut le coup de taper ou est-ce que ça vaut le coup de garder ses PA pour faire des contres. Après, le problème, c'est qu'il contre avec sa dextérité et sa force, donc il part avec un seuil de 8. Là où en attaque, il aurait 10. Et surtout, ce qui fait un peu mal, c'est qu'il a que 8 PA, tu vois, donc du coup, il pourra taper que 2 fois. Ouais, quoi qu'il arrive, il tapera que 2 fois. Moi, j'avoue que les armes attaquées à 3 PA, j'aime pas du tout. Mais voilà, c'est un style de jeu. Il va avoir un tromblon, mais je crois que c'est un peu le meilleur du jeu, ce tromblon. Cadence 2, 7 dégâts, portée 5, infini. Portée 5, infini. Une main, arme à poudre, ne peut pas être rechargée. À part s'il y a des sur les poudres, hein, comme d'habitude. Ouais, tu penses c'est ça? Ou est-ce que c'est une c'est phrase générique? Ouais, sûr. C'est sûr. D'accord, parce que ça, c'est une arme de tir qui est quand même ultra forte. À 5 bras, s'il tire à 8 dégâts, ça commence à faire excessivement. C'est celui de l'épuce, sauf qu'il tire moins loin. Il y a le 5 là, mais sinon, il a 2 balles. Ouais, et puis, ouais, c'est ça, il a, comme tu dis, il a 2 balles dans le barillet, donc ce qui fait qu'il tire plus. Avant de devoir recharger, pas mal. Gros flingue, ok. Bot, lacération, liée à Squarer, 5 PA, 1 des 10 plus 5 dégâts, saignement 4, donc un potentiel jusqu'à 19 dégâts pour 5 PA, potentiellement. Ensuite, il a intimidation, l'adversaire doit immédiatement effectuer un jet de morale, c'est une bot qu'on connaît bien, hein, qu'on a déjà vu plusieurs fois, sur d'autres refs. Ensuite, il a une armure, le brassard d'Utgar, qui fait moins 1, 7, moins 2 sur 5 cases. Pas mal, c'est pas fou, c'est pas mal. Les Quinter à moins de 4 bras perdent 1 en mental et ne réussissent plus automatiquement leur test de morale. Cependant, ils ne font plus d'échec critique en attaque contre Mad Dog. D'accord. Ça, c'est très match-up orienté.
N Quintor, aucun Quintor ne peut faire partie de la bande de Mad Dog. Il bénéficie d'un bonus de plus 2 en attaque et en tir contre les membres de cette faction, qui est de N avec les cochons. Mm-hmm. Héritage colérique. La première fois que Mad Dog passe sous les 8 points de vie, il regagne immédiatement 1 des 5 plus 3 PV. De plus, ses attaques et ses bottes coûtent 1 PA de moins, mais ses défenses 1 PA de plus jusqu'à la fin de la partie. Donc là, on a vraiment quelque chose qui ressemble à la nouvelle Graziella. Très qui tout double quoi, hein. C'est-à-dire que à partir d'un certain seuil, il devient beaucoup plus fort, mais par contre, il se défend moins bien. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Par contre, en combo avec le dernière chance, est-ce qu'il y a accès? Ouais. En combo avec dernière chance, tu sais, quand tu passes en mode je me défends plus jamais, mais on rajoute constitution à mes dégâts, il taperait pour 2 PA, il taperait 1 des 10 plus 2 plus 5 dégâts. Oui, mais après, c'est le genre de figurine, je pense que c'est une fois que tu l'as entamé, tu dois le finir, quoi. Ça, on va en parler après, mais effectivement. Ouais. Madoc ne peut recruter n'importe quel homme de main. Ah, ça, c'est ultra fort, mais il l'avait déjà le premier, c'est ça? Oui, il l'avait déjà. C'est pouvoir recruter des Sendar, hein, tout simplement, hein, qu'ils soient le loup de mer 1, le loup de mer 2, ou le Maturin. Tout à fait. Bon, on est face à une référence qui vaut 140 balles. 140 balles, c'est excessivement cher, c'est le prix d'un daron. Qui n'est pas hors colosse. On est même sur des figurines parmi les coûts des figurines les plus chères hors colosse. On est à 10 points de Gustave, on est dans des eaux vraiment très élevées. Gustave qui est 7-2, 7, et je ne sais plus combien en mental, peut-être 2 aussi. Quelque chose comme ça pour vous donner un indice. Par exemple, on a le Major Abelli qui vaut 150 points, qui est 5-5-5-5-5-5. Donc là, on est un petit peu en stade pur. Dans ces valeurs de coûts-là, on est un poil en dessous. Sur les points de vie, on est à peu près dans ces valeurs-là, même si, en général, c'est des figurines qui sont autour de 30 points de vie. Donc on est un poil en dessous. Même son arme de... l'armure qui rajoutera un peu quelques PV, quoi. Mais sinon... T'as tout à fait raison de le citer, il a quand même une armure. Il a tout de même une armure. Qu'est-ce qu'apporte Mad Dog indirectement aux crabes? Parce que les crabes sont hyper tanky, ils ont des problèmes pour faire le scénario ou quoi. Bah, lui, finalement, le scénario semble pas trop être un problème avec des stats pareils. Potentiellement, il peut faire un peu ce qu'il veut. Mmh. Bon, par contre, en dégâts, moi je reste convaincu que c'est pas folichon. Après, les bannis peuvent faire des dégâts, ils ont accès à moult options et moult pièces qui font des dégâts plutôt bien, surtout avec le dernier spike, comme vous avez entendu en parler à plusieurs reprises. Donc, du coup, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le prendre juste pour ses dégâts. Son système défensif, donc tu en as parlé assez rapidement, héritage colérique, je te laisse un petit peu en parler selon toi comment c'est contrable. Ben, je pense qu'en fait, une figurine qui va commencer, en fait, il faut qu'il le tue tout de suite dans la même activation. Donc tu vas surveiller est-ce que tu as dépassé ce seuil ou pas de 8 PV. Mais par contre, une fois que tu auras dépassé ce seuil, il faut être sûr que tu le tues en fait dans la même activation pour éviter ça en fait. Ce qui est en plus trash, c'est que si Mad Dog par exemple campe 2 PA et qu'il a 10 points de vie. Toi, tu le tapes, il descend sous le seuil. Il peut essayer de se défendre ou quoi, mais il va essayer de tout claquer parce que si jamais tu descends sous le seuil, il va regagner des points de vie, mais il aura un PA de plus pour se défendre derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'il sera plus facile à toucher potentiellement. Et ses points de vie risquent de descendre vite. Et comme son armure a pas beaucoup de cases, normalement, il devrait quasi plus avoir d'armure à ce moment-là. Tout à fait. Hein. Puis après, ça va très vite. Hein. Dis-toi que. 8 PV, c'est deux fois un journalier chien qui tape, hein, grosso modo, avec l'armure. Est-ce qu'il y a une strat dans un monde où c'est toi qui le descends à cette valeur de points de vie que tu le soignes dans la foulée? Ouais, peut-être. Hein. Peut-être que c'est comme ça qu'il faudrait jouer. C'est-à-dire que tu le laisses chez toi et tour 1, tu massacres ton propre Madog, tant pis pour son armure. Tu le descends sous les 8 points de vie, il regagne son buff. Et derrière, t'as un magicien qu'il faut que tu embauches. Alors, quelque part ailleurs, qui le remonte full PV. Le problème, Robin, c'est que on est chez les bannis. Et chez les bannis, il n'y a pas de... magicien. Voilà. Et ça, ça fait mal. Et tu peux pas en embaucher d'ailleurs, aucunement? Faut regarder avec des recrutements, enfin avec des contrats, mais ça coûte très cher. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi un problème aussi au niveau des dégâts. Hein. On peut regarder les dégâts. C'est des dégâts super aléatoires. Donc du coup, c'est presque des dégâts standard et on peut pas les fiabiliser avec de la magie comme on ferait d'habitude avec de la relance. Il faut un sagiste pris en mercenaire contre un mercenaire pour remonter full vie et lui donner les relances pour que ce soit un monstre, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que quand on voit un D10 plus de dégâts, c'est des stats de dégâts de Sundar. Hein. Ouais. Mais t'es à 250 balles le combo au bas mot, quoi. Ouais, c'est ça.
250 balles, c'est quasiment le prix d'un Tornit, hein, d'après certains. Ouais, moi j'ai du mal à aimer cette référence parce que je trouve qu'elle est à mi-chemin de plein de choses. Ouais. Et du coup, t'as une référence qui est polyvalente, elle peut faire un peu tout. Hein. Les tirs à 7 dégâts, c'est insane. Hein. Comme tu l'as dit, c'est un lépus. Mais si le mec il passe son tour à tirer, allez, 3 fois, bah finalement, lépus vaut 74 balles et passe en 40. Si tu vas taper, tu tapes deux fois ou tu fais ta botte plus ça, bah tu peux plus te défendre. Donc du coup, le mec, il peut préparer tout son tour pour être sûr de te tuer malgré ton fait de revenir à 1d5 plus 1d5 plus 2 PV, je sais plus, 1d5 plus 3 PV. Ouais. Je pense que c'est une pièce à creuser, c'est une pièce à chercher peut-être. Il y a peut-être une embrouille à trouver, tu vois, un petit combo secret à trouver qui peut être sympa. Ça peut être une bonne alternative aussi aux listes crabes. Peut-être que tu pars avec un contrat pour engager Sagis et tu joues presque que des singes avec, tu sais. Des Sendar, ouais. Bah, vois, avec le loup de mer, ça sera pas mal, avec le loup de mer 1. Voilà, ouais, tu peux prendre quelques hommes de main, plus peut-être un sorcier Sendar, et peut-être aller un crabe pour engager les gens en première ligne, et puis tu pars comme ça, peut-être que c'est possible. Parce qu'en vrai, pour 220 points, t'as Mad Dog et deux loups de mer 1, tu vois. Donc t'as déjà trois figurines, sont peut-être pas prendre ensemble. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup, j'avais un souvenir qui faisait faire des bots à ses potes, le premier Mad Dog, donc on a perdu toute cette dimension-là. Bah en fait, il y en a qui parlaient que la carte elle est encore active et tout, mais il n'y a pas de note officielle qui dit comme quoi on peut le faire. Donc, ah. Donc s'il y a quelqu'un qui peut le faire officiellement, ça ferait plaisir. Ça marche. Un appel un petit peu à trancher la question. Après, la figurine est franchement très sympa. Elle est assez cool. Tu sens la maturité dans la sculpture de Mad Dog, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord sur cette analyse-là, je suis d'accord. Complètement. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, moi, je suis un peu sur un avis partagé. Autant le Mataris, je la trouve super intéressante, mais pas forte. Enfin, je veux pas dire qu'elle est pas forte. Je veux dire qu'elle est, elle est bien sans être forte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Autant là, Mad Dog, je le classe plus en moyen, bof, parce que j'ai du mal à lui trouver des. Ouais, c'est peut-être pour ça. On comprend pas. Peut-être qu'il faut mettre ça à la table, qu'on voit des choses, qu'on l'affronte, et là vraiment, on aura un vrai avis là-dessus, quoi. Ouais, je pense que t'as raison, c'est sûrement une rêve qui a besoin de vivre la table pour avoir un retour viable dessus, parce qu'elle fait tout, elle le fait plutôt ok, mais pour le coup, à la fin de la journée, ça fait quand même cher, quoi. Ouais. Voilà. Ok, voilà pour Mad Dog, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, toi, sur non, lui? Non, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses sur notre ami Mad Dog. Et donc, on va passer un peu à la nouvelle du mois, qui est le starter en Renok. Oui. C'est notre nouveau canonnier qui louche. Oui, et puis tout le starter, en fait, parce que le starter est... Alors, c'est la seule référence nouvelle, le canonnier. Ouais. Mais le starter n'existait pas en Orenok, donc c'est cool. Maintenant, il y en a un, quoi. Et il y a cette fameuse figurine du duo... Enfin, il y a le duo pack dedans, qui est très, très sympa. Moi, que j'aime beaucoup. Visuellement, en termes de règles, j'ai du mal à les jouer, mais... mais visuellement, je les aime beaucoup. Du coup, on va s'intéresser un peu à ce fameux canonnier. Canonnier qui déchaîne les passions, attention. Hein. Mm-hmm. 75 balles, c'est un serviteur 1. Ok. Il a 3, 4, 3, 1, 5 de mouvement, 8 PA, 22 points de vie. L'armure naturelle des crocos, ce qui fait qu'il protège de 1 dégât systématique, c'est assez fort. Hein. Mm-hmm. Surtout contre les petites occurrences de dégâts, vous le voyez bien. Mais c'est très bien d'avoir une armure constante. L'arme, son bâton à feu, donc le fameux canon qu'il a sur l'épaule, cadence 1, 1 dé de 5 plus 4 dégâts, plus 5 dégâts, pardon, perd sa armure, on recharge pour 4 PA, gabarit une carte, portée 15, enfin, pardon, portée, c'est 5 pour 15, ah non, c'est moins de 5 pour 15, jusqu'à 5, 8, 16, au-delà de 8, pour 8, 16, 8. Voilà. Au-delà de 8, 17, ça demain. En cas d'échec critique, lui-même devient sonné. En gros, le canon lui pète sur l'épaule et donc il tombe par terre et se demande comment il s'appelle. Des règles spéciales qui vont être très fortes parce que vous avez vu que le profil, il y a des trucs un peu choquants dedans, mais qui vont répondre à ça. Alors, frappe à dingue. Ne peut pas utiliser d'autres armes. Ça, c'est assez triste. Parce que du coup, on va pas pouvoir l'équiper d'autre chose que le canon. Donc, au corps à corps, il n'a pas d'arme de corps à corps. Donc, c'est une figurine qui va pas aimer être engagée. La boîte de lui ne fonctionne sur lui que sur du 6+. Ça c'est grave, parce que forcément, un des premiers combos qu'on avait en tête, c'est que lui le réactive.
ou lui fasse faire une action. Et donc, du coup, ça va rendre plus difficile ce genre de choses. Donc, une fois sur deux, ça va marcher, quoi. Ouais, il va falloir claquer des relances d'une façon ou d'une autre. Immunisé au jet de morale, par contre, ça, c'est un vrai plus, parce qu'on a vu qu'il a mental 1 et constitution 3. Ensuite, c'est le genre de croco à ne pas avoir de mouvement gratuit. C'est vraiment pas mes préférés. Moi, j'aime bien être très mobile. Alors, mouvement 5, c'est très beau, mais quand tu dois payer 2 PA pour te déplacer, ça fait quand même mal. Et c'est une créature aquatique. Alors, que dire un petit peu de cette référence? D'abord, on peut regarder un peu la qualité de son tir. Quand il tire, tu tires avec dextérité x2, on est d'accord? Tu tires avec dextérité x2. Par contre, c'est de l'artillerie. C'est-à-dire que si tu n'atteins pas le seuil, ce n'est pas grave, le gabarit va dévier en fait de la différence entre ta valeur et le seuil à atteindre. D'accord, donc c'est moins grave qu'une arme de tir qui fait un échec indirect. Okay. Exactement. Parce que là, on voit que même tirer à portée courte, c'est du 7+, après 8 et 9+. Mmh. On voit que ça va pas être facile de faire mouche. Mais je pense que c'est fait exprès dans le thème du personnage qui tire comme un taré, du coup ça dévie un peu partout, il s'en fout de où est-ce que ça va, quoi. Tout à fait. Le seul problème, c'est que 8 de portée, c'est pas mal, hein, je dis pas le contraire. Mais il se retrouve du coup à... S'il doit se déplacer, tirer, s'il recharge, il lui reste 0, quoi. Mmh. Du coup, il va pas être facile à utiliser, pas facile de le faire tirer tous les tours. Il aime pas être engagé. Après, vous me direz, il y a une bonne raison à ça. Il ne vaut que 75 balles, quoi. Donc, c'est pas non plus une figurine excessivement chère, quoi. Mais des constitutions 3, je trouve ça quand même très léger. Avec 22 PV, malgré l'armure de 1 naturel. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ludo? J'en pense qu'il y a des choses à faire, mais c'est facilement contrable. Dans les choses à faire. En fait, je pense que c'est le genre de figurine que, comme c'est l'artillerie, elle va permettre de retirer des PA à l'adversaire. C'est-à-dire que tu tires pour 2, recherche pour 4, tu pourras retirer pour 2. C'est-à-dire que malgré que tu feras peut-être pas beaucoup de dégâts de loin, mais au moins, en fait, tu vas gérer les PA adverses grâce à 2 gabarits, en fait. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et donc, du coup, tu vas pouvoir gérer un tour 1 où généralement c'est parfois compliqué, où les figurines elles ont tous les PA. Par exemple, imagine, je sais pas, en face, t'as un Gustave qui est prêt à démarrer, il a tous ses PA pour défendre. Tu lui lances un coup de gabarit, donc du coup il a plus de PA pour défendre. Donc son choix c'est soit il joue maintenant, soit il a plus de PA, tu vois. Soit il accepte une agression qu'il ne pourra pas défendre correctement, quoi. Exactement. Donc je pense que c'est peut-être vu comme ça. Par contre, au niveau contrable, eh ben, tout simplement, hein, un dodgeur vient sur lui et c'est à peu près fini, quoi. Parce que l'artillerie dans une mêlée touche absolument tous les membres de la mêlée. Oui, exactement aussi, ouais. Donc si un copain tire une artillerie sur un pote qui est engagé avec un dodger, il pète avec, quoi. C'est un truc à prendre en compte. Ça va être drôle, hein. T'envoies un dodger qui va engager 3-4 figurines et tu tires sur le dodger. Ça peut être une strat mortelle, ouais. C'est bien dans l'esprit croco, tu vois. Moi, t'es bon, t'es un petit serviteur, puis... c'est bon, hein, t'es là pour ça. Et puis lui, il aura ses 2 dés de défense, donc il sera chiant comme toi, touché dans tous les cas. Ouais. Pas contre l'artillerie, je veux dire, mais contre les actions qui en découleront. Mais donc, du coup, il y a une strat où tu peux le copier avec le mec qui est sur la monture. C'est ça. Donc, pour avoir le... Sibaïs. Il peut lui prendre l'arme. Et auquel cas, si tu fais ça, t'as tous les avantages qui vont avec. C'est-à-dire que Louis, il aurait pas de malus à te faire faire le truc sur Sibaïs. Ce n'est pas un serviteur. Ah, c'est pas un serviteur? Eh non. Ah ouais, bon. Bon, bah ça ne marche pas. Je suis désolé, ça ne marche pas. Désolé. Ok. Mais ça monte donc à 4 le nombre de pièces d'artillerie qu'on peut prendre hors canon dans l'inventaire avec les deux Rotumas, lui, et le mec sur la monture. Exactement. Donc du coup... Mais après, c'est un peu un all-in, hein, parce qu'il faut pas oublier les scénarios dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire que quand t'as des scénarios qui peuvent arriver comme la taverne, ou comme où tu dois creuser dans la caverne, tu dois creuser et si jamais tu tires, ça tombe, ben voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que au final, si on veut être un peu critique sur ce profil, l'avantage qu'il a sur la Rotuma, c'est d'avoir des mains. Oui, exactement. Le défaut, c'est tout le reste. La Rotuma encaisse mieux. Elle se déplace mieux, parce que même si elle se déplace moins loin, elle a un mouvement gratuit. Elle tire mieux. Elle tape mieux au corps à corps, forcément. Elle coûte un tiers moins cher, elle coûte 46 contre 75.
Du coup, je trouve que c'est une ref difficile à jouer, cette ref-là. Peut-être que l'un de ses avantages, c'est qu'il soit au Renok, hein, tout simplement. Donc, du coup, tu vas pouvoir appliquer le sort surprise où tu fais des critiques sur 8, 9, 10 si tu n'as pas bougé. Oui, ça c'est bien vu, Ludo, tout à fait, bonne mais remarque. C'est juste, comme c'est l'artillerie, tu vas pas doubler les dégâts, hein, tu vas juste faire un des 10 en plus. Bon, c'est tout de même ça. C'est une somme, vous me direz. Mais voilà. Si tu lui mets un petit sort de relance et tu joues magie en plus, ça fait une somme, quoi. Oui, bien sûr, mais après, on est là pour donner des pistes. Après, chacun verra son âme et conscience ce qu'il peut utiliser, ce qu'il peut faire avec cela, hein, comme d'habitude. Non, j'avoue que personnellement, ça correspond pas trop à mon style de jeu au Renok, mais j'ai un style de jeu au Renok qui est basé plus sur un pair dominant et des créatures rapides et qui coûtent pas très cher, et un combo comme ça avec quelques mercenaires pour faire la pointe. Du coup, les compos à combo au Renok, j'en joue pas des masses parce que je les trouve pas assez efficientes. En coup, je trouve que des pièces chères font des combos sur des pièces moins chères qui font pas forcément tant d'effets que ça à la fin. Du coup, j'aime moins. Mmh. Mais je pense que des joueurs à combo trouveront de belles choses à faire avec cette figurine. Regarde, un truc couillon, t'as accès à pas mal d'MZ2 aussi, hein, donc si t'envoies un croco à MZ2, engager quasiment la moitié de la liste adverse, et après tu tires comme un abruti dessus. Franchement, ça peut être une option, hein, ça peut être rigolo de partir sur ce genre de blague. Hein. Ouais, tu prends un sumac et tu lui mets le sort pour qu'il se prenne moins de dégâts, tu sais. Ouais, ouais. Et il fonce dans le taille, mais poison de zone, il se fait tirer dessus, tout le monde a poison, et tout le monde est au sol sans stats. Et là, même les dodgers, il les massacre, quoi. N'importe quoi te tue derrière. Ouais, et même pas un sumac, hein. Tu invoques un petit champignon vénéneux, tu l'envoies comme ça, et c'est bon, quoi. On parle plus. Bien vu. Et en plus, s'il pète, c'est pas grave, quoi. C'est encore mieux, tu vois. Amuse-toi. Non, c'est vrai, il y a des combos à faire autour de ça. Intéressant, cette ref. Elle pousse un peu la réflexion sur ses serviteurs, parce que les serviteurs, vous savez que c'est quand même assez intéressant dans les crocos, parce qu'on va construire nos listes autour de ça aussi. Exactement, hein, c'est des avantages aux serviteurs, ou sinon les serviteurs, ben, c'est que tu récupères une arme, comme tu as dit, avec le cavalier. Ou troisième, ouais. C'est comment ça s'appelle Flint, qui peut les recruter chez les bannis aussi. Donc du coup, lui pourrait se jouer en banni. Donc tu peux le sortir en banni, tu peux avoir un canonnier de plus en banni. Bon, ils ont déjà les Rotumas, tu me diras. C'est possible, voilà. Si vous voulez un mec qui louche, vous pouvez. C'est ça. C'est vrai que la figurine est très réussie. Elle est très sympa. Elle a vraiment de la gueule. Elle fait vraiment partie des figurines bien cartoon, comme on aime. Je trouve que le starter, pour ça, il est digne des derniers starters faits en termes de look. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, ouais. Il n'y a que Chambal, qui est une figurine relativement vieille, je mets des gros guillemets. Hein. Oui, parce que le duo pas qui est ressorti... Ouais, le duo pack est récent et le canonnier, bah, il sort là, quoi. Donc au final, vous avez quand même des rêves très, très récentes dedans. Ouais. Ah ouais, d'accord. Autre chose sur ce canonnier, Ludo ? Il y a d'autres choses qui te viennent un peu en tête ? On a dit pas mal de choses. Je sais pas si toi, t'as plus à dire. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Pareil, si des gens ont des idées de compos où vous trouvez que ça va être fou, n'hésitez pas à partager ça avec nous. C'est avec plaisir qu'on prendra un peu les remarques et les conseils. Exactement. Et puis voilà. C'est bien pour tout le monde. Bah allez hop. Et du coup on est à jour ? Oh. Bah on est à jour en briscard. Alors on sait très bien que mi-mois on fera une autre vidéo sur les pingouins quand ils sortiront. Quand il va y avoir une armée de pingouins, et puis vous savez qu'à Strasbourg on a un amour du pingouin qui est quand même fort. Donc on fera une vidéo sûrement passionnée sur le sujet. Mais pour l'heure je pense qu'on est revenu un peu à jour sur les news. Exactement. Ok. Donc du coup, à la prochaine. À plus. Ciao. Ciao.